Pour moi, les points forts de la formation ont été déjà donc le fait que on peut arriver dans la formation en ayant juste quelques notions en architecture et on va monter en compétences au fur et à mesure, et notamment grâce au cours puis au cas pratique comme le learning by doing, le hackathon. En plus de ça, on a le fait que justement les professeurs nous donnent des cas d'usage et nous permettent de nous projeter. Si jamais on a besoin justement de revenir sur nos cours, ils sont assez complets et donc on a toujours une source de connaissances utile. Pour moi, l'expérience qui m'a le plus marqué, c'est le learning by doing. Donc on était les 5 membres de la spécialité architecte solution en immersion dans une start-up qui justement calculait, cherchait à avoir un moteur qui lui permettait d'ajuster dynamiquement ses prix. Et donc on a été pas mal challengé pendant 6 jours dessus. En travaillant beaucoup ensemble, on a pu rendre un travail dont justement le responsable avait été très satisfait. Et donc au-delà de un peu la réussite académique dans le cadre de la formation, on a vu aussi qu'on pouvait rendre service à une entreprise. Moi, je recommanderais la formation, notamment parce que déjà, pour mon parcours personnel, à la base, moi, j'étais plutôt formé en data science, donc j'avais pas trop de notions d'architecture. Et avec les cours, j'ai pu monter progressivement au niveau. J'ai pu aussi réutiliser des aspects vus dans les cours pour aider mon équipe à monter au niveau dans mon entreprise. Et ensuite, bah oui, les grandes étapes qui ont été le hackathon et le learning by doing, justement, ça a permis de mettre en pratique et de me rendre compte que justement j'avais monté en compétences, et à la fin j'ai pu déboucher sur un mémoire où j'ai pu vraiment traiter un sujet à moi tout seul, donc sans avoir besoin d'être en groupe. Ça a bien montré que justement la formation m'a aidé à monter en compétences du début à la fin.